doit s'agir des structures que j'ai repérées sur les images satellites. À toutes les époques, les personnes qui venaient ici en pèlerinage logeaient dans ces édifices. C'étaient les habitations d'un peuple qui a vécu des centaines d'années avant les Incas. Tout à fait. Ils ont construit leur maison à côté d'un volcan. C'est incroyable. Mais les pèlerins pré-Incas ne sont pas les seuls à avoir laissé des traces à Rakshi. Wow. C'est magnifique. Impressionnant, n'est-ce pas? C'est une structure inca qui a été construite sur un site culturel de l'époque pré-inca. C'est la plus grande et la plus haute construction de la période inca. Hallucinant. Quelle était sa fonction? C'est le temple de Viracocha. Le temple de? Viracocha. J'ai là un document tiré d'un codex espagnol. D'accord. C'est écrit: quand le chef inca visita ces lieux, il vit le sanctuaire de Viracocha. Les habitants lui contèrent la légende de la pluie de flammes s'abattant du ciel. Il décida d'honorer Viracocha en faisant bâtir un temple à sa gloire. Aucun édifice de l'Empire inca ne surpassait en taille le temple de Viracocha. Ça donne vraiment la chair de poule de lire un ouvrage écrit en 1557 alors qu'on se tient devant le monument qui est décrit. Viracocha était l'un des principaux dieux de la période pré-inca. On le surnommait le créateur ou le sauveur. Un motif récurrent commence à apparaître. Les Incas se sont appropriés des éléments de croyances passées en érigeant des bâtiments plus hauts et plus imposants.